Et bonjour tout le monde, c'est Revance1000 et bienvenue sur les jeux de Rastakhan. Les cartes de votre main coûtent un cristal de moins, ça c'est intéressant. Mais je comprends toujours pas la brutalité. Attendez, m'énerve. Je comprends toujours pas la brutalité, ça fait je ne sais combien de temps que j'ai pas compris. Donc je vais faire une pause, je regarde ça et je vous reprends tout de suite. One eternity later. Bon, je crois avoir compris le principe de la brutalité. Sur le principe, si on a on va dire une 5-3 en face, on doit infliger plus de dégâts avec la brutalité sur la 5-3. Ou j'en suis pas encore sûr, donc on va prendre ça. J'ai pas tout compris, donc on va soigner des gens, on va soigner plein de gens. Sa magie du sang évoque des sœurs et des démons et blesse votre ego. Bon, on va le soigner. Soignons-le. Soignons-les tous. Après, attrapez-les tous. Attrapez-les tous. Pokémon. C'est... merde, comment on pourrait le sortir? Merde. Merde, j'avais un truc en tête, c'est pas... Ouh! D'accord. Ouais, bah, tu me plais. Là, je peux... 3, 6. Donc, en commençant par ça. Ensuite, on continue par ça. T'es blessé, donc garde lumière. D'accord. Bon, ben emballé, c'est pesé, au revoir. Voilà. Ça se passe mieux, bizarrement, ça se passe bien. Et les autres, je me suis fait chier pendant deux plombes. C'est la vidéo précédente. Là, 1 minute 30. Bon, ça c'est fait. Ouais, ça va être trop rentable. Ça va être beaucoup trop rentable. Après, faudra que je prenne des créatures contre le suivant des Zentimo. Excusez-moi des petites secondes, je reviens. Et je suis de retour. Cool. Very, very cool. Ouais, j'ai activé le micro, ouais, c'est bon. Mais putain, mais sans déconner, c'est quoi son truc là? C'est quoi ça? Allez hop. Et tant qu'on y est, allez hop, tu bouffes. Ah oui, mais c'est violent la grâce de Kauga. Ah merde. Ok, donc. Donc toi tu dégages. Toi tu dégages aussi. Enfin tu dégages. On le réduit. Non, tu vois, envahis lui. Je préfère heal un peu lui au cas où. Voilà, c'est mieux. Donc tu dégages. Là, c'est pas intéressant de m'attaquer à son totem, par contre, c'est intéressant de m'attaquer à lui directement. C'est bon. C'est bon. Donc. Voilà, le totem du prêtre est quand même assez fumé.
Il est rigolo. Donc, ben, là, ça fait, ouais, on va dire 5 minutes. Ouais, ça fait une vidéo courte, mais j'essaie de faire un boss par vidéo pour que vous puissiez choisir, en fait, le boss qui vous voit le mieux. Début de partie, vous piochez cette carte. Hein, ok, cri de guerre rend tout l'RP... L'RP à tout le serviteur? Non, c'est pas terrible. Par contre, ça, c'est intéressant. Donc, nous avons Radagon. Si vous avez lancé des sorts sur ce serviteur, le réinvoque. Hein? Des sorts sur ce serviteur, le réinvoque. D'accord. Cri de guerre, Radagon, d'accord. Chaque fois que vous invoquez Radagon. Donc, non, mot de la fin, non. Pouvoir héroïque, ajoute. Oh, ça, c'est intéressant. Ouais. L'inspiré par la lumière me plaît. Ça coûte excessivement cher, mais ça me plaît. Et donc, nous allons affronter Malakras au prochain épisode. Donc, les gens, je vous dis des bisous. Et à la prochaine. Abonnez-vous surtout et appuyez sur la cloche. Et à bientôt. C'était Revanzmire.